Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode numéro 14, notre challenge de sentience. Et là, c'est la fiesta, on s'était quitté sur une fin de partie avec un début plutôt de soirée. Voilà, donc là la soirée vient de commencer tout juste un instant. Avant que je me mette en place pour la vidéo, en fait, il avait proposé commencer la partie. Donc voilà, on commence la partie. On avait relooké Floria qui était aussi invitée à la soirée, donc en vrai j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, donc, et on va essayer de passer une semaine complète, comme l'autre fois, quoi, donc, c'est parti, c'est parti. Donc, obtenir, terminer, alors, terminer un tonneau entier, on va commencer par boire, nous. On va déjà boire un petit peu. Faire le poirier sur un tonneau, si on pourrait. Vas-y, bébé. Ça ferait tellement une belle miniature, ça. J'étais obligée de faire une photo, parce que, maybe, c'est ma miniature. Il est vraiment en train de se boire deux gobelets là, mais il y a personne qui vient faire la fête avec nous en plus, incroyable. Faire écouter de la musique qui fit à plusieurs Sims en même temps, mais pourquoi ils sont pas tous là en fait? Flirter avec quelqu'un, où est-ce qu'elle est Chloé? Mais ils sont tous là, et Nox il est en train de draguer Chloé, non en fait. C'est juste pas possible. demander un mariage, on va quand même y aller un petit peu mollo je pense. Allez vas-y, bois encore un petit schlock, enfin un schlock, un petit peu. Il est bourré. On aime ça. Elle a un petit bouton sur le nez, la bichette. Est-ce que du coup on peut venir ici? On va essayer de faire en sorte que cette soirée se passe bien. C'est pas... On va essayer de faire le poirier avec Nox. Mais JPP vient de lui roter à la gueule, il n'aime pas du tout faire le poirier. Moi je veux qu'il fasse le poirier. Allez, vous y êtes presque là. Il va y arriver. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ensuite, jouer d'un instrument. Easy. Bon, il est défoncé, mais c'est pas grave. Enfin, il est plutôt bourré. Mon dieu, mon dieu. Bon, c'est pas grave. Elle est où, la petite Chloé? Elle est pas du tout là. En tout cas, on a notre sœur. Floria non plus. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Chloé, elle est ici. Encore avec Nox. Ça pue un peu, ça, hein. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre le gobelet là-haut? Je pense qu'après il va faire une bonne nuit de sommeil et ça va être parti pour le troisième trimestre. Oh, ils sont trop choux. Mais JPP, c'est quoi ce mec? Il vient de lâcher une caisse alors que... voilà quoi. On va faire... ils vont faire crac crac sous la douche. Je sais, vous allez me dire, oui, mais tu tiens le diable, machin, mais je sais pas, il vit normalement. Faut que j'enlève les 5% parce que j'ai trop peur de qu'elle soit enceinte direct. Hein. Elle est en train de tomber de fatigue. Il sent pas bien du tout. Genre, il a la gerbe et tout. Mais il y a ça ne sait pas, franchement, il est complètement pété. Tu m'étonnes qu'elle refuse. Bon, il va pas le prendre mal, il va juste lui faire un bisou et puis il va aller se coucher parce que je pense que lui, il est vraiment PLS. Il est vraiment pas bien. Voilà, et maintenant, tu vas aller dormir. Tu vas aller dormir et te reposer. Tous les étudiants les plus populaires de l'université l'ont adoré. Votre fête avec un tonneau était tout simplement légendaire. Vous recevrez un superbe tonneau en or en guise de récompense. Trop bien. Oui, il est parti se coucher du coup. Bonne nuit tout le monde. Moi, il va bientôt se réveiller. Il est 6h du mat. Je pense qu'il va aller manger tranquillement parce que... manger une omelette. Because, gueule de bois, you know, c'est la fête, il est bourré. J'étais complètement déchirée, mais je me suis bien abaisée, enfin je crois. Trop bien. En tout cas, c'est dégueulasse partout, là. C'est quoi ces dortoirs, là, où genre, personne ne respecte rien du tout. Ça a l'air tellement appétissant. Enfin, ça, je sais pas trop ce que c'est. Il y a des œufs, donc je pense que c'est la salade. Avec des toasts à l'avocat. Ça donne pas trop envie de manger, ça. Enfin, personnellement, il y a quelqu'un qui a vomi. J'espère que c'est pas Chloé, because si c'est Chloé, vous savez à quoi ça correspond. Et après, il va un petit peu se détendre devant la console, je pense, pour pouvoir après être taqué pour bosser. Voilà, il s'est bien diverti, maintenant c'est le temps de se remettre dans le droit chemin. Hein. Certes, la fête s'est terminée, mais maintenant on a un nouveau semestre à travailler. Bon, en tout cas, c'est pas... Il semble pas que c'est Chloé
qui est vomi, hein. Oh, autour, Bon, lui, ça dites-moi. avance doucement, mais ça avance. Ouais. On va demander à Chloé si elle veut pas prendre une douche, comme ça au moins bah, ils se laveront. En même temps, ben, on sait ce qui se passera. Si on trouve la petite Chloé, ben, on va essayer, on va lui demander si tant Pierre prendra une douche. Hein. Essayer, enfin, pas de, non, on va pas essayer de faire crac-crac sous la douche. Enfin, essayer de faire un bébé, c'est juste faire crac-crac tout court. Elle est anéantie. Mais non, mais la bichette, hein. Elle est triste, pourquoi elle est triste? Oh, Ouais, elle a dit oui. Ça, ils pourront se laver en même temps. Voilà, nickel. Crac, crac, souche. Voilà. Ensuite de ça, je pense qu'il va faire nouveau son sa présentation. On va demander des commentaires à Chloé. Pourquoi il y a des petits cœurs en moins? Mais la présentation, elle est derrière vous, les gars. Bon, on va attendre parce que s'il a un match. Ouais, c'est ça, il a un match en fait. Il y a le feu d'artifice et tout. Mais JPP! Trop bien! Genre feu d'artifice et tout. C'est notre papa! Il vient voir notre match! Non, pas du tout. En fait, il se casse. Ok. Au revoir. Ouais, ça l'a déglingué, hein, son truc d'e-sport là. L'équipe de T-Ball a perdu son match de Steam Chapel. Oh, c'est nul ça. En tout cas, il est KO. Je pourrais pas. Tant pis, il pourra pas bosser, hein. Demain, full bosser, hein. Mais genre, vraiment, il est mort. Tu peux même pas manger. Bon, bah, tant pis, il mangera demain. Il prendra un bon petit déjeuner. Bon, il est parti dormir. Bonne nuit, tout le monde. Bon, journée des farces. C'est un peu chiant, ça. Hein. Est-ce qu'on peut peut-être piger des toilettes? Ça va peut-être faire une journée de farce, en fait. Alors, on va commander à manger. On va prendre du. Un pain perdu. Et après, au taquet pour bosser all day, hein, parce que là. Déjà, on va faire dans la suite logique. On va regarder ce qu'il a demain comme cours. Électromagnétisme pratique. Comment construire? Non. Ok. Elle est tellement bien. C'est si triste le temps. Allez, il a fini un devoir. On va faire l'autre. Et vu qu'il est au taquet, je pense qu'on va faire la présentation à fond. Comme ça, on la fera. Peut-être qu'un jour, il n'aura pas beaucoup de devoirs. Je crois le mardi. Ouais, le mardi, il a 15 jours. Du coup, on va pouvoir faire le travail. Il va aussi un petit peu se détendre, je pense. Et on fera peaufiner et organiser. Non, on verra ça tout à l'heure. Il a déjà fini? Sérieusement? Non, il a quand même pas quitté les trucs avant. Ben si. Je lui ai pas demandé d'arrêter les devoirs. Allez, on les fait avec Randy. Il est pas très content de ses devoirs, lui. Je trouve qu'il irait trop bien avec Léoline. C'est quoi cette. Enfin. Il fait une grimace trop chelou hein, quand il fait ses devoirs. Regardez. Genre, il fait le cul de poule à un moment donné. Genre, là, il le fait. Ça y est, il a fini. Du coup, on va pouvoir faire la présentation. Comme ça. Enfin, en tout cas, là, la peaufiner. Et les devoirs pour au moins demain seront terminés. Il est encore en pyjama, quoi. Oh, ça a l'air déjà beaucoup plus propre, là. Je crois qu'elle va être que normale, là. Non, ça, c'est le concours, on s'en fout. Ok. Elle est excellente. Bah nickel, on peut juste la mettre dans l'inventaire. Il n'est pas trop mal encore, donc je pense qu'il va faire le dernier devoir, comme ça sera fait. Et il restera la dissertation à bosser qu'on pourra faire. Genre il est tendu, pourquoi? Parce que c'est sale. Sims sale, elle est sale. Elle a répondu des ragots juteux sur Geoffrey, mais. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont grandi lui aussi? Parce que du coup, bah, dans le doute. Non, ils n'ont pas encore grandi. Elle a bientôt fini ses devoirs. On commence à quelle heure? Je crois qu'on a les cours l'après-midi, nous. 13h, 13h. Ok, en fait, on commence. On n'a jamais cours le matin, ça c'est cool. Allez, parce que bientôt t'es KO, tu vas pouvoir aller manger et surtout aller dormir. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fout? Oh. Ouais, c'est Randy qui répare les chiottes. Mais non, mais c'est une blague, mais à quelques minutes près, là. Vas-y, va manger du poulet rôti. Il y a quelqu'un qui a laissé son assiette, c'est un peu dégueulasse, mais bon. C'est mieux que de manger un truc qui nourrit pas du tout. C'est tout, il restait une fourchette. Qu'est-ce que je peux prendre? Oh, manger des restes. Peut-être qu'il y a, bah, il y a du poulet rôti en fait, donc ça c'est cool. Moi c'est un vrai repas et pas un truc du frigo. Et il est mort de chez mort. Mais il a pas mangé. Oh là 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 là, c'est quoi ces Sims là, sérieusement? Allez, il est parti dormir. Bonne nuit tout le monde. Le début du semestre. Mais lui il commence qu'à 13h donc on est bien. Et après, je pense qu'il va aller se détendre un petit peu avant de prendre les cours.
Presque la ligne droite, hein. Enfin, c'est presque la dernière ligne droite, on va dire. Mais JPP, pourquoi il s'arrête de bouffer, putain? Oh, il est trop beau, Randy. Genre, vraiment. C'est 13h ou 13h30? 13h30. Si tu veux venir passer, papa, il n'y a pas de souci, mais nous, on va aller en cours. Bah, il y a Cécile aussi qui est là. Nos parents sont là, mais nous, on va en cours. Désolée. Le dépôt a été effectué, ne soyez pas en retard. Bah, on va raccrocher, hein. Attendez un peu, vous ne voudrez pas cliquer trop tard. Oui, il est à l'heure. Et là, du coup, on va faire prendre des notes. Ah oui, d'ailleurs, au précédent épisode, où il y a deux épisodes, je sais plus quand est-ce que c'était, on est passé en automne et j'ai oublié de capter. Enfin, j'avais pas capté. Du coup, j'ai pas changé ni les fringues ni la tenue. Donc, faut absolument penser que ce week-end, avant de quitter l'épisode, faut que je le relook en mode Barbie en passant en mode hiver, quoi. Ok. J'ai pensé aussi ce week-end, au lieu de faire, vous savez, au lieu de faire une fête et tout, bah, je pensais peut-être inviter Chloé au restaurant et tout, machin. Enfin, faire une soirée un peu romantique. Plutôt que faire une soirée, une teuf à la fac. On va bosser à la maison vu qu'il y a notre père. Oh, ils sont trop chauds. Pourquoi ils discutent à travers le comptoir, hein? Je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont jouer ensemble à la console puisque Because, ben, c'est un geek aussi, hein. Il y a tout qui s'est annulé, mais j'adore ce jeu. J'adore, adore ce jeu. On va jouer avec Chloé, tiens, comme ça au moins. Petite présentation. Sauf qu'elle vient pas et lui se casse. Super. Elle s'est pissée dessus, je crois. En fait, ils se respectent pas les Sims là-dedans ou ça se passe comment là? Elle est pue, elle a envie de pisser, elle pleure, machin. Enfin bref. Vu qu'il est au taquet, on va faire les devoirs du jour. Et il fera la dissertation, je pense, aujourd'hui aussi. Faut pas que j'oublie la dissertation. Mais j'ai même pas fait. En fait, moi, je fais faire les devoirs, mais j'ai pas du tout fait le truc de jouer en équipe là. Putain, je suis con. Mais JPP, genre vraiment, j'étais à fond dans les trucs des boulots, des devoirs et tout, je parlais pas, j'étais à fond dans mon truc et tout machin. Et en fin de compte, il a pas du tout respecté, enfin, Tom il va être dead. Moi je lui ai fait la présentation demain, ça va être loupé, je crois. Ça a pas fonctionné en plus. Puis je crois qu'il peut jouer jusqu'à minuit. Ouais, bah c'est foutu en fait, donc bah autant aller dormir. Hein. Donc bah, forcément, il est parti se coucher. Hein. Bonne nuit tout le monde. Une belle journée commence. Mais ouais, il y a un robot chez nous. J'aimerais trop qu'il arrive à en faire un. Mais je m'y penche pas assez. On va faire un robot nettoyeur. Ah, mais il nous faut des pièces. Comment je fais ça pour avoir des pièces? Je sais pas du tout si on aura le temps de manger. Peut-être qu'il va aller manger en bas en fait. Mais qu'est-ce qu'il fout là encore? Mais je rêve. Moi j'ai cru qu'il était en bas là à faire sa présentation. Il l'a pas faite en plus. Mais si, mais je comprends pas. Présentation elle est faite. J'ai pas compris là. On adore les Sims quand ils boguent. Genre y a personne pour manger là. C'est quoi cette tenue? Cécile nous appelle. Oui, on peut, maman. Maman. Il va en cours. Non, il va pas en cours là. Enfin, si. Mais c'est à quelle heure son cours? 13h30? Oh, mais en fin de compte, il est allé en avance. Mais c'est trop bien ça. Un élève sérieux. Un étudiant sérieux. On aime ça. Ok, il a fini son seul devoir de la journée. Je pense qu'il va un petit peu se distraire pour après. Pour après, ben, bosser, je pense. On va d'abord faire ça là. Chercher des pièces. Personne ne le jette avant lui. Ça serait cool. Comme ça, on pourra faire un peu des pièces de robotique. Léoline! Oui! Notre grande sœur. Il y a les devoirs du jour. En espérant qu'il puisse faire ça. Je pense qu'il va prendre une potion de sommeil. Comme ça, on va bosser un peu la robotique aussi. Ah, on n'a peut-être pas assez de sous. Ah si, juste assez. Ce n'était pas le meilleur match de Sim Shuffle de Tibble, mais il a fait de son mieux. Mais ça me fait rire. Je l'ai déjà dit une fois, mais... Il est au niveau max de jeux vidéo et... Pff, on va peut-être boire la potion avant de manger, enfin de faire le devoir parce que là, il est en PLS absolu. Voilà, je le savais. L'autre, elle se casse. Heureusement qu'il y a des choses dans le frigo. Randy, je l'aime trop ce Sims. Genre vraiment, je le trouve trop beau. Mais il est malade. Il va pouvoir bosser sa disserte, je pense. Et ensuite de ça, pourquoi toutes les lumières sont éteintes? Genre là, il n'y a pas de lumière du tout? Ah bah non, apparemment. Tristesse. On n'a pas de dissertation? Non, on n'a pas de dissertation. Bah non. Ah, en fait, trop bien. Bon, bah on va pouvoir bosser à mort. On va pouvoir faire un petit peu de robotique. Ah, il nous manque plein de trucs en fait. On va faire du mécanisme. Fabriquer des pièces, mécanisme. Il est tout triste, il a genre les larmes aux yeux. C'est vraiment stylé, hein. Prends pas le temps d'apprécier les petits détails. Il a fini la pièce. Nickel. Moi, j'aimerais vraiment faire un truc nettoyeur là. Attends, c'est relou. Je comprends pas tout en fait. C'est un peu compliqué, hein.
Je sais vraiment pas comment faire. Moi, il me semblait qu'on pouvait acheter des trucs. Il y a notre maman. En plus, elle vient de parler, donc c'est parfait. Genre, en fait, elle est venue au pile au bon moment. Comme elle a maigri de ouf, Cécile. Elle est partie. Les cours commencent dans 1 heure. Elle est triste, mais bon, c'est pas grave, on appellera quelqu'un d'autre. Mais va en cours, putain! Oh, vas-y, il me saoule! Il a une demi-heure de retard. On va prendre des vacances parce que là, il est trop en PLS. En fait, il bug de ouf là. Tu vas jouer, manger, dormir et les devoirs. Mais oh, vas-y, mais prends tes putains de spaghettis là. Oh! Parce qu'en fait, ils sont amoureux, mais ils sont pas de ouf famille. Donc voilà. S'ils allaient faire un petit crac-crac, ça peut peut-être augmenter le social. Ça augmente le social hein, quand même. Hein. Et le divertissement. C'est parfait en fait. Feu d'artifice. Du coup, il va aller dormir et il fera les devoirs demain, je pense. Bon, il est parti dormir. Ils sont tous partis dormir. On se retrouve demain pour les devoirs de Thibault. Il est 6 h, je pense qu'il est temps de se lever pour aller manger, aller aux toilettes, faire le reste des devoirs parce que bientôt il y a école. On n'aura pas le time de faire les autres devoirs, je pense. Parce qu'il a cours à 13 h 30, mais. Vas-y, mais en plus il a pas fini. Oh, ça me gave. Les trois plombs à faire leur putain de devoir. Bon, au moins il va en avance à l'examen parce que. On va pas tant que ça en avance. Et du coup. Oh, c'est pas l'examen, je pensais que c'était l'examen final. Et après, on va rentrer et on fera le reste des devoirs. Je pense qu'il va aller se divertir en solo, vous voyez ce que je veux dire? Il est encore avec son violon, lui. En fait, il se lave pas, il fait que jouer du violon. Genre vraiment. On va bosser à la maison et on va vraiment le faire cette fois-ci. Bah du coup, il va pas se détendre en fait, il va jouer directement. Pas pour se détendre. Allez mon gars. Donc ça me divertit en plus, mais c'est parfait. En espérant que cette fois-ci, il gagne. Il y a Chloé qui vient nous parler. Il faut vraiment qu'on améliore notre relation avec elle parce que voilà quoi. En fait, elle. Genre en mode, on n'est pas du tout pote avec elle quoi en fait. Ah bah, ils peuvent regarder ça ensemble. Ah oui, d'ailleurs, c'est Stranger Things, ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Ça lui bouffe toute la soirée et toute son énergie en vrai, ce truc là. Hein. C'est hyper chiant en fait, je pensais pas. Bah ouais, maintenant elle est partie se coucher, évidemment. C'est super long. Mais c'est pas du tout le PC de gamer que j'avais au début, ça. J'ai mis un. C'est pas ça comme PC que j'ai mis. Je suis nulle. C'est pas du tout Strangerville, là. Enfin, c'est pas du tout Stranger Things. C'est Indiana Jones, ça. Ça y est, ça a été validé. J'ai cru qu'il allait se pisser dessus, mais. Allez, c'est parti pour le dodo. À demain. On vient de se réveiller. On va engager une domestique parce que là, incroyable, le dortoir, c'est. Dégueulasse, il y en a qui se pissent dessus et tout. Au bout d'un moment, il va manger et il a cours dans pas longtemps, donc en fait, il a pas trop le temps de. On va téléphoner à notre petite sœur, on va téléphoner à notre grande sœur. Ça fait un peu Tony Allez stopper des merveilles, je trouve. On va inviter Chloé à un rencard, genre un vrai rencard. Et après, on va descendre parce qu'il y a les examens aujourd'hui. C'est parti! Allez, c'est parti pour le deuxième examen du jour. Et après, c'est finito. D'ailleurs, il va se détendre vraiment sérieusement. Je pense qu'il va se refaire une petite chicha et tout. Ça peut détendre l'atmosphère entre Chloé et lui. On va faire inviter à se détendre Chloé. Comme ça, moi, c'est cool. Ok, donc les examens, c'est terminé. Si ça matche bien, elle aussi, elle galère. Il a été promu. Oh, le truc se commence dans 1 heure. Je suis pas sûre qu'il ira. Je pense qu'il va plutôt passer la bonne soirée avec elle. En attendant les résultats. Enfin, il va attendre ses résultats en tout cas. Lui aussi, il galère. En fait, ils sont pas du tout faits pour ça. Ils sont pas du tout faits pour ça. Bon, allez, hop, on va aller aux toilettes en attendant les résultats. Vraiment, ça me stresse. Je suis sûre qu'il est stressé lui aussi. On a eu les examens! Enfin, les résultats, mon Dieu, A plus partout. A plus en robots de terre, de mer et de ciel. A plus en électromagnétisme pratique. Et A plus en comment construire des toilettes sur Sixam. Il est incroyable. Du coup, évidemment, on s'inscrit pour un dernier semestre. On prend à nouveau 3 cours et on aura fini notre année. Du coup, aller au match. Ah, ok. Il y a un vrai. En fait, c'est un gros match. Bah, écoute, on peut pas inviter quelqu'un. Si, on va aller au match avec Chloé. Mais on a déjà rejoint l'équipe de sport. Attendez, stop.
Mais en fait, on est censé y aller, quoi. Ah, c'est ce que je disais, il était censé y aller. Parce que genre, on a un match, en fait. Mais ça bug. Ah, voilà, c'est ça. Tant pis. On fera le rencard en rentrant de l'e-sport. Sauf s'il rentre trop tard, et bah tant pis, pas de rencard. Première semaine, on n'aura rien fêté, ça va. Hein. Et rentrée du match de Simshuffle, son équipe a gagné, des objets gratuits de super forme ont été placés dans l'inventaire de Thibault pour les sponsors de l'événement. Ok. Ok. Et en plus, il a gagné 500 Simflouz, mais trop bien. Waouh, tout ce qu'on a gagné. Oh, on a gagné une chaise, mais sans déconner, sérieusement? Non, mais attends. C'est la même chaise que nous on a, je crois. Non, même pas. Putain, mais trop stylé. Vas-y, moi, je veux cette chaise. On va pouvoir. Oh, mais trop stylé. Du coup, on va dégager ça. On va mettre cette chaise-là à la place. Voilà. On va peut-être enlever ces posters-là. On va peut-être les on va mettre. On va le mettre ici. Ah, mais en fait, il y en a plusieurs. Ah, le troisième, le dernier. En fait, compte, on va peut-être les vendre, en fait. Ça, on pourra le boire, par contre. On va jouer au ping-pong, on va déjà l'appeler pour qu'elle vienne chez nous. Ils vont passer un peu la soirée, je pense qu'ils vont aller regarder les nuages ensemble, en mode les étoiles, pardon. Parce que du coup, vraiment, leur relation, elle est pas ouf, quoi. Je trouve ça romantique de regarder les étoiles. Voilà, c'est parfait comme ça. Je trouve ça grave romantique en plus. Et ça augmente leur barre d'amitié, donc c'est cool. Ce n'est-il pas beau, cela? Bon, je pense qu'il est temps d'aller dormir, because demain va y avoir bossé, enfin, il faudra bosser à mort parce que, en fait, le week-end prochain, c'est la remise des diplômes. Il va y avoir un gros week-end avec déménagement et tout le bordel. Donc, je pense que là, il va vraiment se donner à fond. Pour la dernière semaine, c'est la dernière ligne droite. Donc, il va rentrer manger, il va aller dormir et demain, on commence à bosser, ben, présentation. Je sais pas du tout s'il a une dissertation à faire. On va regarder ça. Oui, il a une dissertation, il a une présentation. Ça va être pas mal les dernières semaines, donc on va essayer de s'y donner à fond. Attendez, est-ce que ça augmente, genre, est-ce que ça permet de combler l'énergie? Parce que si c'est le cas, go faire les devoirs et tout. Hein. Ouais, ça augmente l'énergie, c'est trop bien. Bah ouais, du coup, ça augmente l'énergie. Bon, on va faire les devoirs alors. Enfin, on va commencer en tout cas. C'est parfait, mon gars. It's perfect. Bon, ça aura pas tenu super longtemps, mais c'est pas grave. Pire, il va en boire une autre. Comme ça, on aura fait au moins deux devoirs sur trois et ça sera pas mal. Ça n'a pas du tout augmenté notre. Enfin, en même temps, ça a fait passer notre nuit blanche. Hein. On a une potion de sommeil. On peut prendre encore une potion de sommeil. On va faire ça comme ça, au moins la semaine. Dans le prochain épisode, on commencera une bonne semaine, tranquillou. Ouais, donc là, il est au taquet. Après, il viendra ici pour finir au moins tous les devoirs. Ça serait cool. Bah écoutez, nous c'est là-dessus que l'on va se quitter. Il est en train de finir ses devoirs. Il ne restera plus que la présentation et la dissertation à faire pour la semaine. Plus la semaine, plus le diplôme et le gros déménagement. Donc, à la prochaine pour le prochain épisode. Bye bye!